Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV. On se retrouve pour ce 20e épisode sur Factorio. Et donc, on va aujourd'hui essayer de terminer le projet Manhattan. Alors, comme vous avez vu sur le timelapse, j'ai un tout petit peu avancé la déco, on va dire. Et j'ai mis en place donc les premières usines qui vont traiter le minerai d'uranium
Là, j'ai mon traitement Covalrex et là, j'ai la production des barres d'uranium pour alimenter les centrales qui sont là. Alors, il me manque encore quelques turbines à vapeur. J'ai commencé à prévoir de quoi rajouter une ligne ici vers le haut. Voilà, écoutez, ça déjà c'est pas mal. Après, ce que vous n'avez pas vu, j'étais obligé de traiter, oui, j'ai une alarme ici de pétrole, donc j'ai commencé à exploiter ici en bas une nouvelle zone de pétrole qui est gérée donc par un train qui vient alimenter une base de pétrole qui est ici. Ah, c'est en train de se remplir, c'est d'ailleurs rempli à fond. Alors pourquoi j'ai toujours une alerte ici? Quatre-vingt-dix-neuf. D'accord. Ah, il me manque un tuyau en fait. Il me manque un tuyau ici, tout simplement. Alors, on va aller rajouter ça rapidement. Bon, le fait est que de toute façon, j'avais besoin d'aller exploiter un nouvel endroit pour le pétrole. Ça commençait à être vraiment trop trop limite au niveau de la production des anciennes plaques. Alors, attendez. Voilà, et là, ah ben voilà, là ça remonte. Impeccable. Très bien. Donc ici ça sonne si on est en dessous de 25 000, c'est-à-dire que l'un des deux est vide, on va dire. Donc ça va remonter rapidement. Là, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir le projet Manhattan. Alors la deuxième chose que vous n'avez pas vue, mais ça j'avais dit que je le ferais, c'est l'exploitation du champ d'uranium qui est ici. Donc c'est exactement la copie conforme de ce que j'ai fait sur l'autre champ, sur le tout premier. Ici le train va charger l'uranium et va le ramener directement à Manhattan. Et ici j'ai mon réservoir d'acide sulfurique qui commence à baisser, mais j'ai mis une bascule RS, donc petit plan que vous retrouvez dans mes tutos, donc qui s'active et qui active surtout ici l'arrêt. Donc c'est le même train en fait qui est celui-ci. Hop, je vous le montre, là qui est celui de la base, hein, qui récupère l'acide sulfurique. Et dès que le niveau est trop bas, pof, ça active l'arrêt ici. Et à partir du moment où l'arrêt est activé, comme lui va être plein, eh bien il va venir se décharger. Voilà, tout simplement. Donc en dessous de, je crois que c'est en dessous de 5 000, il vient livrer. Et au-dessus de 24 500, donc quand c'est quasiment plein, il considère qu'il a fini sa livraison et ça redésactive donc l'arrêt qui est là. Donc j'ai fait la même bascule sur l'autre champ d'uranium. Comme ça alterne et en fait ce sont des trains tout simplement à la demande. Alors on va prendre notre train ici, celui-ci. Alors j'ai décidé, pour le moment en tout cas, parce que je commence à être vraiment, je pense, ouais, limite en production nucléaire, enfin. Ça a sonné un peu tout à l'heure, j'avais quelques ennuis, je crois encore au niveau de l'alimentation d'eau, donc on va aller vite mettre en place ça. Donc du coup j'ai rempli le train avec du fer et du carburant pour fusée pour gérer le train d'uranium. On va aller livrer tout ça. Et le train d'uranium est prêt, donc il n'y aura plus qu'à l'activer. Voilà, donc j'ai fait aussi la zone d'arrivée qui est ici, hein, un petit peu protégée, il va falloir que je rajoute des tourelles. Donc lui, il est plein en carburant et il n'y a plus qu'à l'activer. Et c'est parti. Donc ici, j'ai toujours le béton et le remblai. Et ici, je vais avoir plein de choses dont j'ai plus ou moins besoin. Le carburant pour fusée qui va servir uniquement pour ce train ici. Et peut-être pour l'autre là-bas d'ailleurs. Oui, peut-être pour lui aussi. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Voilà. Lui va être alimenté. Et donc, on va mettre du parafiltre. Alors, un parafiltrable, non. Ici, c'est pas la peine. Un coffre de demande dans lequel on va mettre barre d'uranium. On va mettre 50. Et ici, on va décharger. Alors, il faut que je mette un bras filtrable. Sinon, ça va me décharger au fur et à mesure les barres d'uranium pleines. On va décharger ici les barres d'uranium épuisées dans un coffre rouge
qui vont être ensuite retraités. Pour l'instant, j'ai pas encore fait ce retraitement. Alors, on voit que l'uranium arrive. Ici, j'ai changé un petit peu, donc j'ai mis une sortie pour l'uranium 235, celui-ci, et une sortie pour l'uranium 238. Comme ça, c'est géré dans deux flux différents. Ça commence à tourner. Et du coup, ici, ça va commencer à remplir le Covalrex. D'ailleurs, j'avais dit que j'amènerais de l'uranium du Covalrex de là-bas. Et ici, donc ça demande de l'uranium 238, de l'uranium 235 et du fer. Donc le fer que je ramène avec le train de logistique. En tout cas, pour le moment, on va faire comme ça. J'ai pas trop envie de, là, de m'embêter à faire une mine et des fours. Je pense que ce sera fait par la suite pour qu'il y ait une genre d'indépendance de cette zone. J'ai pas trop de fer à proximité. Ici peut-être 1 million, je l'ai peut-être là-haut. Bon, c'est blindé de biters, il n'y en a pas trop. Ici là-haut peut-être, ça fait loin quand même pour aller le chercher. Ça c'est déjà exploité. Bon, je regarderai si je le fais ou pas, mais en tout cas pour le moment ça fait pas partie des priorités. On va mettre de la tourelle mitrailleuse, il faudrait une troisième pour équilibrer. On va mettre du mur, une centaine, voilà. Bon, j'en mets que quelques-uns, c'est vraiment histoire de, je rappelle, normalement c'est pour la déco, hein. Donc on va pas vider tous nos chargeurs là-dedans. Voilà, on va mettre la troisième ici. Voilà. Et voilà. Ah, raté. Voilà. Donc ici, donc c'est bien protégé. Pareil, j'ai mis un champ de mine ici. Hein, on ne s'approche pas. Ici, je voulais mettre. Voilà. Des portes automatiques pour laisser rentrer les trains. On va fermer toute cette zone. Forcément, je manque de béton. Enfin, j'ai plus de place. J'ai trop de béton sur moi. Pendant ce temps-là, je peux peut-être construire. Voilà, on va construire ça. Ça fait de la place. Et on va les poser. Les échangeurs de chaleur. Mais j'ai vu aussi que là, il faut que je rajoute une petite zone. Soit. Plus joli. Voilà. J'ai fait une espèce de petit chemin, j'en suivais la ligne jaune. Voilà, je trouve ça assez rigolo. On va compléter ici les lignes. Thank you.
Voilà, c'est parti pour la fabrication des barres d'uranium. Oui, forcément. Ouais, j'en ai quelques-uns qui partent directement via le système des roboports. Alors que j'aurais voulu quand même utiliser le train. Bon, c'est pas trop grave pour commencer. Voilà, il a fini de tout fabriquer. Voilà, ça va commencer à chauffer. On a bien de l'eau ici. On regarde les tuyaux, 80, voilà, 90. Voilà, on en a 4. Donc les placer comme ça, les 4, vous voyez, ont un bonus de voisinage de 200%. Donc c'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef, tout bénef. Là, j'ai déjà deux belles lignes de chaudière et de turbine. Dès que ça va arriver à 500 degrés minimum, ça va commencer à chauffer. Et normalement, les réacteurs nucléaires montent à 1000. Donc ça devrait poser aucun problème. Ça monte même plutôt rapidement pour le moment. Faut juste que je désactive les roboports. Faut que je laisse les roboports ici. Enfin, je désactive celui-là. Si je coupe l'électricité, je vais tout couper. Donc on va enlever le roboport, voilà. Comme ça on n'a plus de connexion. Voilà, on a deux zones séparées. Je pense même que l'autre ici, je vais pouvoir l'enlever aussi. Finalement, il ne sert pas à grand chose. J'ai un robot dedans, ça va, c'est pas bien méchant. On mettra des. Je pense qu'on mettra peut-être de la défense, histoire que, de faire quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus joli. Et du coup, maintenant, il faut utiliser le train. Voilà, le train qui a déjà voilà, des éléments à l'intérieur, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, en mode automatique. On va éclairer un peu la zone. Il est parti. On va faire la course. Il va plus vite que moi quand même. Là, ça décharge. Et là, du coup, il devrait charger. Mais pour l'instant, je pense pas avoir d'éléments usagés. On en a combien là? 500 degrés. Ici, 510. 495. 500. Voilà, ça y est, c'est parti. Ça commence à tourner petit à petit, ça va faire chauffer les deux lignes. On va se retrouver avec un gros surplus d'énergie, mais il était temps. Ça commençait à être un peu dérangeant tout ça, donc ça sonne toutes les heures, hein, grosso modo. J'avais des soucis au niveau de l'eau, et là c'est aussi pour ça que j'ai fait ça sur une île, c'est que là au niveau de l'eau, je suis au plus près et je risque pas de manquer. Voilà, et je pense que je vais faire une copie de toute cette ligne pour la mettre une ici et en mettre une ici. Donc on va étendre un peu tout ça. Et là pareil, j'avais dit 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là je suis pas très bien calé d'ailleurs, c'est pas trop grave. Il va falloir que j'augmente aussi un petit peu la longueur, là, ici. Pour mettre bien 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et étendre de ce côté-là, et sûrement bouger les roboports. Alors, au final, le roboport qui est là me sert à rien du tout. Il ne sert pas. Voilà. Celui-ci va gérer le train. Et celui-ci, par contre, va gérer les centrales ici. Et lui, il me sert pas à grand-chose non plus, au final. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de robots dedans. Non, je vais pouvoir lâcher tous ceux que j'ai là. Voilà. Hop.
Ah oui, si, il me gère, il y en a un qui me gérait. Alors, lui, on va l'enlever de là, on va le déplacer plutôt ici. Au milieu, enfin pas trop loin. Voilà, on va l'alimenter avec un poteau. On va remettre tes robots. Quelques robots de fabrication. On sait jamais. Et du coup, voilà, tout est géré. Lui, du coup. Alors, il va falloir ici pareil que je mette des bras filtrables, sinon ça rentre et ça sort n'importe quoi. Donc là, tu me sors les barres d'uranium et que ça, et toi tu me charges l'uranium épuisé et que ça. Sinon, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. C'est pas très efficace. Il manquera donc le retraitement de l'uranium épuisé. Pour l'instant, je ne dois pas en avoir. Puisque du coup, il y avait un problème. Là, a priori, donc ça tourne pas trop mal. Qu'est-ce qui te manque? Tu manques de l'uranium 238. Donc toi, tu es à fond. Toi aussi, toi aussi. On va leur mettre des modules de vitesse. Toi, tu en as un aussi. Toi, tu n'en as pas besoin. Module de vitesse. Là, effectivement, j'utilise aussi l'uranium 238 pour le Covalrex. J'ai largement de quoi faire. C'est géré ici, c'est géré là. Du coup, je vais mettre 10 secondes, enfin moins de 10 secondes maintenant, à produire. Je pense que ça sera suffisant. Je pense que c'est suffisant en termes de production parce que les réacteurs nucléaires, c'est, je crois, 3 minutes pour une barre et on produit 10 barres à chaque fois. Donc normalement, c'est censé faire une demi-heure, si je ne me trompe pas. À quelques minutes près, ça doit être ça. Bien voilà, tout tourne. Ça y est, on y est. On est à combien? 810 degrés, très très large. Au niveau de l'eau, on va vérifier en bout de ligne ici. On est à 95, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout tourne. Et là, effectivement, du coup, on a 173 turbines à vapeur en tout qui sont fonctionnelles ici. Et je pense qu'à terme, ce que je vais faire, c'est déplacer tout ce qui est là. Cette usine-là, qui est fichue un peu n'importe comment, au final, je pense que j'en aurai plus besoin. Et je vais tout mettre ici. Donc voilà, je pense que je fais ça sûrement pour la prochaine fois. Hein. Je pense que là, on est pas mal. Manquera aussi le traitement donc des combustibles usagés. Voilà, je commence à en avoir quelques-uns ici. Qu'on remettra par là. Va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, c'est dans une centrifugeuse. Et voilà. Donc au final, on a l'ensemble du traitement. D'abord le minerai,
Ensuite, le Covalrex pour avoir l'uranium-235. Ensuite, avec l'uranium-235 et l'uranium-238, les barres de combustible. Et ensuite, le retraitement des barres de combustible usagées qui ramènent donc l'uranium-238 qu'on récupère. C'est ça. Ça doit être ça. Dans les précédentes usines. Voilà, un petit chemin comme ceci. Et voilà. Ici, on a fermé. On va finir de fermer les murs. Voilà. Et finalement, ça fait une zone plutôt sympa. Je pense, je vais peut-être fermer aussi ici. Là, j'ai une grande zone qui ne me sert pas à grand-chose. C'est un petit peu dommage. C'est pas trop grave. Je vais peut-être fermer ici. Ouais, comme ça, on a trois zones, quatre zones, pardon, bien définies. Une entrée ici, une entrée là, on peut accéder d'une zone à l'autre, mais voilà, ça verrouille un petit peu, ça compartimente un peu les différentes étapes de production. Puis ça fait un peu plus usine, quoi, on a des pièces différentes. Je rajouterai un petit peu de défense. Je pense que voilà, pour l'esthétique aussi, quelques mitrailleuses à droite à gauche. Ici aussi pour défendre le train, bien sûr. Je vais peut-être même baliser aussi. Voilà, du coup, je vais manquer de béton. Baliser la zone de chargement du train. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la zone de chargement du train. Et puis voilà, il manquera peut-être aussi le fer. Comme j'avais dit, pour l'instant, je suis pas très motivé pour le faire, mais pourquoi pas. Parce qu'à terme, mon train de logistique ici va pas me servir à grand-chose. Au niveau béton, remblai, je vais avoir largement ce qu'il faut. On va enlever le béton d'ailleurs, je pense que j'ai ce qu'il faut. Alors, je vais finir ça. Donc j'ai viré les mines qui étaient ici. Je considère que cette zone est une zone déjà protégée. Je rajouterai aussi des tourelles et j'ai miné l'extérieur en fait. Voilà, j'ai complètement miné l'extérieur. Il manque ce côté-là. Voilà. Mais mine de rien, mais voilà, ça ressemble quasiment à ce que je voulais. Ça ressemble à ce que je voulais faire. Donc et puis surtout, c'est fonctionnel, ça marche. C'est ça surtout le plus important. Je finirai le déménagement des usines, des centrales précédentes. Ça, je vais le faire. Je vais étendre l'île ici de ce côté-là pour ajouter les lignes de turbine. Et puis voilà, je vous montre ça pour le prochain épisode. Allez, je vous dis à la prochaine. Ah, ciao, ciao.